un film, mais c'est comme ça que tu vends l'histoire? Moi, je trouve que c'est un peu de la publicité mensongère. Et ça, non, ça ne, je n'aime pas ça. Je ne cache pas. En fait, c'est-à-dire que... c'est-à-dire qu'a priori, une épopée galactico-magique, c'est un petit peu surévalué, non? Mais il me semble que les termes utilisés conviennent parfaitement à notre quête. Frère, arrête un peu, hein. Moi, je ne vais pas en enfer. T'as vu? J'ai fait des rimes. Magnifique! Bravo, maître nain. Après, nous vous apprendrons à compter. Mais, tu sais ce qu'il te dit, le vieux nain? Personne n'a parlé de vieux nain. Quoi? Et qu'est-ce qu'elle a, ton intro? Mais non, c'est juste que... bon... Oui, mais en fait, on n'est pas vraiment... On hésite pas mal niveau du... Ouais, on trouve ça représente pas vraiment qui c'est qu'on est, en fait. Voilà. En gros. C'est résumé, quoi. Moi, tu vois, je suis plutôt au bois, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Au bois. Alors que moi, j'aurais tendance à dire plutôt guitare. Mais voilà. J'aurais plus vu un luth, mais bon, c'est... voilà, chacun choisit ce qu'il veut, hein, n'est-ce pas? Oui, bon, ça va. T'as déjà essayé d'accorder un luth? Moi? Je dirais que depuis les profondeurs des astres et depuis l'éternité, je répands et je réponds à l'appel de l'abîme. De l'abîme. Non, mais lui, c'est un peu chiant. Tu peux passer, frère. Oui, c'est un peu spécial. Voilà. Merci. Il y a comme un blanc ici. C'est normal. À mon avis, vous avez vexé notre ami, le narrateur.